Qu'est-ce que la communication non violente, ou également appelée CNV? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec Guillaume Brabant, qui est membre du conseil d'administration de la CNV France. Donc, Guillaume, bonjour. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et je te propose de nous expliquer un peu ton parcours et comment tu as découvert la CNV. Ah, je lisais ce matin un podcast sur l'histoire d'un patron qui s'appelle Gontran, je crois, et le podcast suit le cheminement intérieur de ce patron. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que c'est le chemin de vie que j'ai pu partager avec ce Gontran. Même si moi je m'appelle Guillaume, le fait est qu'à 30 ans, quand j'ai créé ma boîte à Lille, j'ai commencé en même temps un art martial qui s'appelle l'aïkido, qui est l'art de l'union des énergies, je ne savais pas, l'art martial de la paix aussi, on l'appelle comme ça. Et mon cheminement dans mon entreprise m'a fait me poser beaucoup de questions. Et moi, qui étais un grand colérique, qui étais aussi un grand bagarreur, quelqu'un avec beaucoup de certitudes. J'étais quelqu'un de très certain de ce qu'il avançait. Et puis l'aïkido m'a apporté beaucoup de souplesse physique, d'abord. Et à un moment donné, au bout de 2 ans de pratique de l'aïkido, quand je me suis aperçu que j'avais la même rigidité corporelle qu'intellectuelle dans mes relations avec les autres, eh bien, je me suis posé pas mal de questions. Quand quelqu'un me faisait un compliment, je m'engueulais avec lui. Et ça a été pour moi une question de me dire, mais attends, il y en a d'autres, ils ont des relations fluides, moi j'ai des relations rigides, je comprends pas. Et je tombe sur un bouquin de Thomas d'Anzembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Bon, je dévore le bouquin, ça me parle beaucoup. Et chose que je ne fais pas d'habitude, je ressens comme une forme d'appel, me dit, tiens là, je voudrais aller plus loin, est-ce qu'on peut se former à cette façon de communiquer? Et je pousse la porte d'une formation de communication non violente, je fais rapidement les premiers modules de base pour me former à ça. Et ça a beaucoup, beaucoup changé ma vie. J'ai cheminé pendant 15 ans avec ça. Et je suis devenu ensuite un patron de coopérative, de société coopérative d'intérêt collectif. J'ai installé des équipes autonomes au sein de mon entreprise parce que j'y ai découvert beaucoup de violences que je ne voulais pas voir, beaucoup de souffrances également auprès des usagers, auprès des équipes en place. Et donc ma rencontre avec la communication non violente a été, en tout cas pour moi, très. Il y a eu un avant et un après. C'est un témoignage que j'entends assez régulièrement chez des gens qui ont suivi la voie de la communication non violente. Et puis la communication non violente, pour moi, c'est à la fois un processus. J'ai fait un module de base, on m'a appris un processus, C'est ça. okay? Une manière de parler. Et puis ce processus, à un moment donné, moi, j'en ai fait une philosophie. Je l'ai intégré chez moi, dans toutes les dimensions, pour en faire une philosophie. Et aujourd'hui, je parlerai même de voix, la voix de la communication non violente, parce que c'est un chemin qui n'a même pas de destination à mes yeux, parce que c'est juste une façon de cheminer à travers la vie et le temps dans mes relations avec tous les autres. Voilà. Je te remercie pour la présentation de parcours. Et justement, une question qu'on pose souvent, pourquoi ce nom de communication non violente? Ah, ça, c'est un processus qui a été créé par Marshall Rosenberg aux États-Unis et effectivement il l'a appelé non-violent communication et du coup on l'a traduit littéralement en français communication non violente, ce qui provoque parfois paradoxalement des quiproquos parce que quand j'arrive comme un sachant en disant moi je pratique de la communication non violente, parfois en face j'ai des personnes qui me disent mais du coup si toi tu es non violent moi je suis violent. Du coup, on n'a pas commencé à parler, tu me traites déjà de violent et toi de non-violent. Alors ça part bien pour des gens qui pratiquent la communication non-violente. Ça. Je proposerais communication empathique ou communication de pleine conscience ou pleine conscience process, qui sont d'autres termes pour pouvoir désigner la même chose. C'est juste remettre de la conscience dans ce que je dis.
quand je parle à mon enfant et que je pose une exigence, est-ce que je le fais en conscience de poser une exigence? Parce qu'en face, mon enfant, il va réagir, C'est forcément. Ça. Il fonctionne tellement comme une autre. L'autre va réagir. Tu as commencé un petit peu à en parler, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur les origines de la CNV? C'est un monsieur qui s'appelait Marshall Rosenberg, qui est mort en 2015. Et lui, il était docteur en psychologie. Et la psychologie, a priori, ça ramait un peu pour soigner les gens, en tout cas du regard qu'il avait. Et il rentre alors dans l'école de Carl Rogers, qu'il fait travailler sur l'empathie et sur le rôle de la parole dans la guérison. Et il va créer le CNVC, le Centre pour la communication non violente aux États-Unis en 66. Et puis, il va développer le processus de la communication non violente en mettant de la conscience sur les mots utilisés. Et puis, il va publier un bouquin fondateur qui s'appelle les mots sont des murs ou bien des fenêtres. Parce que de la rencontre avec Carl Rogers, il va intégrer tous ces processus du poids de la parole. Et il va beaucoup utiliser ça dans la résolution de conflits. Il va aller beaucoup résoudre des conflits aux quatre coins du monde avec le processus de la CNV et avec sa guitare et ses petites marionnettes qui illustrent le processus. Il va donner beaucoup, beaucoup de conférences. Il va renoncer à sa vie de docteur en psychologie pour aller promouvoir le processus de communication non violente qu'il a fait émerger. Il était extrêmement aussi inspiré par la notion d'Ahimsa, qui est celle de Gandhi, qui est une notion de ne pas nuire à 360 degrés dans toutes ses dimensions. Et de non-violence aussi, du coup, justement, tout ce qui était non-violence, d'où le nom aussi. D'où le nom. Tout à fait. Carl Rogers, pour moi, c'est aussi celui qui a initié tout ce qui était le principe d'écoute active, donc très importante dans la CNV. Donc, ouais. C'est un des piliers de la CNV, bien entendu. Donc, ok, bah, je commence. Est-ce que tu peux nous dire, justement, tu en as un petit peu parlé, des marionnettes que pouvait avoir Marshall Rosenberg, et qui sont le symbole de la CNV, comme tu as dit. Oui. Alors, il y a une girafe. Ben oui. C'est autre animal, même si. Alors, ici, nous avons un chacal. Le chacal, en fait, représente en CNV la première pensée, la pensée rapide, le jugement assez immédiat. La première flèche, disait le Bouddha, la première pensée qui te traverse quand arrive une situation, les jugements sur l'autre, les jugements sur soi. Et donc le chacal, en CNV, on considère que ce n'est pas vraiment sa faute. D'ailleurs, on a dépassé les notions de faute au-delà du bien et du mal. Et le chacal, en fait, il ne sait pas faire autrement. Alors du coup, le chacal, il a tendance à hurler, à crier beaucoup. Ben, moins tu l'écoutes, plus il hurle, parce que lui veut être écouté, ce chacal. Et puis à côté du chacal, j'ai dit à côté, pas en face. À côté du chacal, il y a un deuxième symbole, c'est le symbole de la girafe. La girafe, c'est l'animal de la création qui a le plus gros cœur. Et pour cause, avec la taille du cou, il faut bien irriguer tout ça, mais le fait est que le plus gros cœur de la création, c'est la girafe. Et puis, elle a aussi de grandes oreilles pour bien écouter ce qui se passe chez le chacal. Et puis elle a aussi un grand coup pour prendre un peu de hauteur sur toutes les situations. Et puis elle a une démarche qui est une démarche plus lente et plus gracieuse aussi, pour ne pas courir tout de suite sur un jugement. Ouais, j'adore la symbolique, je te remercie pour ça. Maintenant qu'on connaît justement ces symboles, est-ce que tu veux bien nous parler du principe justement, ou des étapes importante dans la communication non violente? Oui, alors le processus de communication non violente, il est à la fois simple, sur le papier, pas très compliqué. Et à vivre et à faire, c'est beaucoup plus difficile et ça demande de l'entraînement. Voilà. Et sur le papier, c'est facile. J'ai fait une représentation d'un monsieur, tout en haut un cerveau, juste en dessous un cœur. En dessous, au niveau du nombril, j'ai mis un cercle jaune qui est celui des besoins.
Et puis tout en bas en vert, j'ai colorié des baskets. Pourquoi des baskets? Parce qu'avec ces petits pieds, on peut faire des demandes. Et donc le processus, c'est le O de observation, le S de sentiment, le B de besoin et le D de demande. Donc on dit des fois OSBD, du coup, tout simplement. OSBD, exactement. Les quatre étapes. Ah. Okay. Sur le papier, c'est facile. Quand je vois ceci ou cela, quand j'entends ceci ou cela, je me sens comme ci ou comme ça, parce que j'ai besoin de ci ou de ça. Est-ce que tu serais OK pour faire ci ou ça? Exactement. Sur le papier, c'est facile. Voilà, je vais donner un contre-exemple si tu veux. Par exemple, c'est quand je fais une carte par terre, ça m'énerve, je voudrais que tu manges tout ça, et voilà. Ah non, j'ai besoin d'ordre, donc je voudrais que tu manges tout ça. Là, c'est ah. Y a presque dire OSBD. C'est exactement ce que j'allais dire. Si tu veux le tester, demande à ton enfant de ranger sa chambre. Tous ceux qui ont un ado le savent. C'est tout de suite beaucoup plus complexe dans la vraie vie. D'abord parce que notre ado, il n'est peut-être pas formé au processus CNV et qu'il va trouver qu'on parle bizarre. En tout cas, au début. Et ensuite, parce que à l'étape observation, là-haut, à la limite, tous les gens qui ont un petit peu d'expérience de la vie peuvent assez rapidement arriver à une observation qui soit neutre. Suffit de leur expliquer qu'ils parlent comme une caméra, décrit ce que tu vois. Au chapitre sentiment, c'est tout de suite un peu plus complexe. Parce que à l'école, moi, j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études d'éco, j'ai fait des études de ressources humaines. Je ne me souviens pas d'un cours qui m'ait dit « Guillaume, nous allons essayer de découvrir quels sont les sentiments qui te traversent. Quelles sont les émotions que tu ressens et les sentiments qui te traversent. » Ça, je n'ai pas vu. Et pour cause. Et comme on ne le fait pas à l'école, on se dirait bah, « Faisons-le à la maison. » Mais je ne l'ai pas vu non plus beaucoup à la maison. Résultat des cours. Ça a été réprimé même, souvent. Ah bah voilà. Voilà. Du coup, on va bien mettre ça sous cloche. T'es en colère, va dans ta chambre. Ouais. Tu reviendras quand tu seras calmé. C'est ça. Le message que reçoit l'enfant, c'est « j'ai pas le droit à la colère ». Ça nous donne de grands professionnels dans l'entreprise qui ne vivent jamais de colère. Alors la colère, elle existe, elle est en dessous. Et du coup, elle tapote un peu là pour essayer de sortir, mais elle sort pas et ça donne des choses en passif-agressif. C'est à cette heure-là qu'on arrive, Martin. La colère, elle est rentrée, parce qu'en fait, je suis bien énervé que Martin n'arrive pas à l'heure, hein, on est d'accord, mais je ne vais pas oser le dire. Je vais mettre un beau masque social avec un sourire. C'est à cette heure-là qu'on arrive, Martin. Bref. Tout ça pour dire que les sentiments, c'est difficile à reconnaître, que je rêve d'un dojo qui nous permettrait d'apprendre à reconnaître tout ça, quand ça arrive. Et puis, le besoin, c'est pareil. C'est quoi le besoin? C'est très compliqué de découvrir quel est ton besoin en vrai. Tous ceux qui font du coaching le savent bien. C'est pas évident d'arriver en disant « Moi, mon besoin, c'est un besoin de respect. » C'est très difficile à réaliser. Et donc, ce travail de faire la clarté en soi demande un accompagnement, demande du temps pour que tout ça s'intègre à l'intérieur. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué en plus parce qu'il y a plein de pièges. Les premiers pièges, ça va être les pièges de l'observation. Je me sens piégé par cette situation. Je me sens agressé. Tu m'agresses. Oui, c'est le fameux tu qui tue. Le fameux tu qui tue. Bah, tu m'agresses, c'est te donner beaucoup de pouvoir sur ma vie. Je me sens agressé ou je me sens contrarié par cette situation et tu es le stimulus qui la provoque. C'est pas pareil. Je reprends le pouvoir sur moi. Exactement. Eh bien oui, l'honnêteté chacal versus l'honnêteté girafe. L'honnêteté chacal, c'est quand je te dis tes quatre vérités. Quand j'ai bien attendu que la marmite soit pleine, qu'elle bouillonne, et qu'à ce moment-là, je lâche les vannes pour te dire tes quatre vérités directes dans ta face. L'honnêteté girafe, ça va être de reprendre le pouvoir sur ce que je vis, moi. Et du coup, bizarrement, dans mon chemin de vie à moi, qui était une vraie cocotte minute, qui, reconnaissons-le, explosait de manière assez régulière, eh bien, le fait de reprendre l'honnêteté girafe et de reconnaître ce qui se passe en moi, de dire plus rapidement,
pourquoi, que je me sens en colère, que je me sens contrarié, que je ne suis pas d'accord avec une situation, me permet de me réapproprier mes propres besoins et mes propres sentiments, me permet aussi de les dire, de les poser et de vérifier ce que ça fait à l'autre, s'il vit la même chose, s'il est OK avec ça. Et bien ça, chez moi, ça éteint le feu sous la marmite. D'accord. C'est le fait de prendre conscience que l'autre est un déclencheur et qu'on accepte ou pas de se laisser déclencher. Et comment dire, le fait justement de prendre conscience qu'une même situation, on pourrait réagir différemment selon le contexte, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est super important. Selon ton état de fatigue, et puis on n'est pas tous fait pareil, il y a une situation où le premier peut avoir peur, le deuxième peut avoir envie d'y aller. Ça appartient à chacun. Et comme on est tous différents, je vérifie ce que ça fait chez l'autre en permanence. Je parle beaucoup de pêche en communication non violente. Je pêche les sentiments. Je pêche parce que, de façon rigolote et paradoxale, chez l'humain, quand je dis « mais oulala, tu parles très fort, tu as claqué la porte en rentrant, est-ce que tu es en colère ?» Et là, je pêche. Ça ne veut pas dire que je prétends que tu es en colère. Je dis juste que j'ai l'impression de ma chaise, ça ressemble à de la colère. Est-ce que c'est juste ? Et paradoxalement, si la personne en face est disponible pour ça, qu'elle sait reconnaître, en tout cas, commence à reconnaître ses sentiments, elle va dire tout de suite « Non, c'est pas de la colère. Je suis fâché ou triste. » Et ça lui appartient. Mais le fait d'avoir péché le sentiment colère et de l'avoir hop envoyé ma ligne, ça va faire réagir l'autre qui va dire « Mais non, c'est pas ça, c'est ça. » Et ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe chez lui et d'adapter du coup ma réaction ou mes paroles en fonction de ce qu'il vit. Ceci permet donc d'apaiser la relation entre l'autre et moi. Autre exemple et difficulté que nous avons à pratiquer la CNV, il y a ce que j'appelle moi des différenciations clés qui permettent de mieux cheminer dans son apprentissage de la communication non violente. Ça prend du temps d'intégrer tout ça, mais ça peut être aussi le respect contre la peur de l'autorité. Je roule sur l'autoroute et je respecte toutes les limitations, mais je le fais pourquoi ? Est-ce que je le fais par respect de la vie ? Parce que je sais qu'au-dessus d'une certaine limitation de vitesse, le risque est grand pour les autres et pour moi. Ou est-ce que je le fais parce que j'ai peur de me prendre une prune et qu'on va me retirer des points et que du coup j'en ai besoin pour travailler ? Je suis dans la peur. Est-ce que je le fais par peur ? Est-ce que je le fais par respect des autres individus ? Voilà. Ça peut être les deux. Et c'est pour ça que je parle de pleine conscience process, de communication de pleine conscience, de communication authentique. C'est que du coup, je fais cet effort de revenir chez moi en empathie avec moi-même et de me vérifier ce qui se passe chez moi et du coup d'être en pleine conscience de ce qui se déroule à l'intérieur de moi. Ce faisant, je coupe le feu sous la marmite. J'aime beaucoup la symbolique, tout à fait ça. Après, Marshall, il disait toujours si vous pensez avoir compris quelque chose à la communication non violente, passez un week-end en famille. Ah oui. Ben oui, parce que nos parents, nos enfants sont des stimulus extraordinaires, des déclencheurs géniaux. On a intégré des comportements avec eux et du coup, évidemment, ça repart tout de suite comme en 40. C'est ça. Et c'est très intéressant d'aller tester ça. Et c'est là qu'on voit si on a intégré quelque chose quand nos rapports commencent à changer avec les uns, avec les autres, avec des parents proches. Le système va toujours viser l'homéostasie. Hein. Moi, je vais changer. Quand j'ai commencé la CNV, c'était à la maison, c'était rigolo. Moi, je commence à faire de la CNV, mais pas mon épouse. Oui. Et donc, le système, il recherchait à retrouver un équilibre. Je vois tout à fait. Ça résiste un peu à la maison. C'est ça. Ben oui. Et puis, si tu intègres la posture et que tu restes bien droit dans le processus, que tu l'appliques, avec conscience que c'est difficile, que tu échoues, mais que tu recommences, peut-être, à un moment donné, avec ta baguette magique, il se passe quelque chose. À la maison, c'est mon épouse un jour qui vient me voir, qui me dit « Oh là là, moi j'y comprends rien ta magie là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça fonctionne aussi avec moi ?» Ok, ce que je te propose, c'est que du coup, bah, je te donne des adresses pour aller te former.
Et mon épouse est partie se former à son tour à la communication non violente, auprès de Pascal Fèvre, auprès de Vincent Houba, auprès de Christine Dubard aussi dans le Nord. Et puis, ben, elle a elle-même son propre cheminement qu'elle confronte avec le mien. Ben voilà, on en discute. Bravo. Et ben, ça ne marche pas tous les jours. Alors, on est d'accord. Des fois, on est plus ou moins en forme, mais ça marche plus ou moins. On est d'accord. Et même quand tu fais de la communication non violente, même beaucoup, des fois, tu es en colère quand même. On est d'accord, on a le droit, c'est ça, exactement. Une réflexion des fois que mon mari peut me faire, c'est pas très girafe tout ça. Ah, j'adore, c'est pas très girafe. C'est pas très girafe tout ça. Oui, bah tu sais quoi, la girafe, il y a des moments. Tu sais ce que tu peux en faire de la girafe? Oui, je peut pas être 100%, voilà, il y a des fois, ou peut-être 90, c'est bien, mais bah, voilà, il y a 10%, oui. Des fois, selon son état de fatigue, selon les nouvelles, selon les choses comme ça, on est d'accord, ça peut être plus difficile. Et puis la girafe, moi j'ai découvert très récemment, j'ai fait un stage de communication non violente dont le titre m'a beaucoup appelé, qui était « L'usage de la force en communication non violente ». Moi, ça m'a beaucoup appelé parce que je fais beaucoup d'aïkido depuis 15 ans. J'ai fait aussi du judo, du jujitsu, donc qui sont des arts martiaux quand même. La paix, tout ça. Et donc, moi, j'avais toujours cette dichotomie. Bah, ouais, mais je fais de la communication non violente et en même temps, je pratique des arts martiaux où de temps en temps, on se met un peu des peignées quand même. Et c'était génial ce stage parce que ça m'a permis d'aller réintégrer tout ça en une seule pièce. Parce qu'en réalité, c'est l'usage de la force qui protège. À un moment donné, quand ton enfant il saute dans la rue et qu'il y a une voiture qui arrive, je ne réfléchis pas CNV. Je ne dis pas « Benjamin, quand je vois que tu marches sur la route, je n'ai pas le temps. Je l'attrape et je le sauve pour le mettre sur le trottoir. » Bien sûr. Si tu es pompier et que tu vas sauver quelqu'un qui se noie, s'il s'agite beaucoup, le processus prévu pour les pompiers, il est simple, c'est d'assommer la personne pour ne pas qu'elle t'entraîne sous l'eau avec elle et qu'on ait deux personnes à sauver. Autrement dit, de temps en temps, l'usage de la force est bénéfique. Quelle est ton intention? Et la question derrière, en fait, qu'il faut se poser, c'est quelle est mon intention? Si mon intention est de le sauver, alors oui, j'accepte d'utiliser la force qui protège. Et de temps en temps, elle est effectivement nécessaire. Voilà. Donc moi, ça m'a permis d'intégrer l'usage de la force avec la communication non violente. C'est parfois nécessaire et utile à utiliser. Tout à fait. Je vois, l'usage de la force peut parfois être nécessaire. Tu parlais de l'intention et je suis d'accord aussi avec l'intention. Justement, c'est quelque chose que je partage de temps en temps avec mon mari, qui lui n'est pas formé à l'esprit. Et justement, c'est quoi l'intention? C'est avoir raison? avoir raison ou est-ce que c'est garder le lien? Et ça, c'est super important aussi, justement. Et c'est Thomas Tansambor qui dit ça, il me semble, souvent. Voilà. Avoir raison ou garder le lien, ça me paraît très important. Moi, je l'ai transformé en est-ce que je préfère avoir raison ou être heureux? Ah oui. Voilà, donc j'ai décidé, moi qui étais un grand contradicteur. qui m'était fait une spécialité tout à fait personnelle de montrer aux gens qu'ils avaient tort. Dans mon cheminement, à un moment donné, j'ai bien vu que, au final, on peut avoir raison tous les deux en même temps et avoir des visions différentes. Donc, je me dis aujourd'hui que je préfère être heureux plutôt qu'avoir raison. C'est pas très grave. J'arrive aujourd'hui à passer au-dessus. Mais c'est un chemin. C'est un vrai processus, c'est un chemin. Il est facile à faire, on est d'accord. Et justement, est-ce que tu dirais qu'il y a des limites à la CNV? Oui, oui, oui. Il y a des limites à la communication non violente. Ça va être d'abord, on ne peut pas tous être des bisounours. Voilà, on se fait parfois traiter de bisounours quand on fait de la communication non violente. On ne peut pas tous être bisounours, ce n'est pas forcément tous notre nature. Et puis ensuite, il y a la mauvaise foi, celui qui n'a pas envie. Celui qui n'a pas envie de communiquer, tu parlais de garder le lien. Celui qui n'a pas envie de garder le lien. Mais là encore, je reviens à mon processus de CNV, c'est quoi ton besoin? Quand tu veux rompre le lien, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et peut-être qu'il n'a pas envie de répondre et que je vais accueillir ça. Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que ce n'est pas possible pour lui. L'autre limite que je vois dans la communication non violente, c'est la limite de la manipulation. Si j'intègre le processus de la CNV comme un processus et que je lui
utilise à mon profit, alors je fais de la manipulation. Et c'est peut-être le risque que j'entrevois avec l'entreprise. Oui. Au sein de l'Association pour la promotion de la communication non violente, la CNV, nous avons tous une spécialité. Certains veulent promouvoir la CNV dans les écoles, d'autres veulent promouvoir la CNV dans les prisons, d'autres veulent promouvoir la CNV à travers les groupes de pratique. Et moi, je voudrais promouvoir la CNV dans les entreprises, avec le piège qui est celui d'utiliser le processus pour manipuler les collaborateurs ou les autres membres de l'entreprise. Et donc, en même temps, j'attire l'attention sur l'intention qui est derrière. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais dans le sens de l'AIMSA ou pas? Et puis, je trouve que la communication non violente, c'est finalement une proposition de communiquer autrement. Et du coup, de communiquer en co-responsabilité. Avec cette prise de conscience que... J'illustre ça souvent avec l'écharpe de Jacques Salomé, l'écharpe de la communication. On tient tous les deux un bout. C'est ça, exactement. Et donc, on est 100% responsable de 50% de la relation. Donc, on peut tous les deux faire un pas vers l'autre ou au contraire, lâcher la relation. Ça appartient à chacun. Donc, c'est la co-responsabilité. C'est une proposition de communiquer autrement tous les deux, du coup. Okay. Même si... à travers mon chemin de communication non violente et ma posture de girafe, peut-être avec la prise de conscience de mon côté qu'on peut communiquer autrement, peut-être que je me suis outillé pour ça grâce à des processus comme la CNV et que du coup je peux être celui qui fait le pas, celui qui tente de communiquer autrement, voilà, qui propose. D'accord. Hein, bravo. Et du coup, justement, tu en as un peu parlé déjà, parlé de ton rêve, ton grand rêve. Ouais. Oui, moi, je rêve de dojo de communication non violente qu'on aurait partout en France. Ce rêve, il existe déjà sous une forme très particulière, qui sont les groupes de pratique de CNV. Il y a sur le portail de la CNV France déjà une carte avec tous les groupes qui existent, qui sont des groupes parfois ouverts à tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait un stage de base de communication non violente. Des fois, ce sont des groupes ouverts seulement aux personnes qui ont fait les modules de base. Mais ces groupes de pratique, je les compare à des dojos parce qu'on a l'étiquette à l'entrée avec les règles du jeu entre nous. Et puis, on a mis par terre un gros matelas pour que tomber, ça fasse pas mal. On puisse essayer plein de trucs sans se faire du mal. Et puis, on pratique entre personnes qui ont décidé de pratiquer ensemble, qui ont décidé du coup de tester une autre façon de faire et qui du coup s'autorisent entre eux à de la bienveillance, à des essais, à reproduire 5 fois l'interaction. Au dernier stage qui était sur l'usage de la force, moi j'ai retenté 5 fois une interaction avec quelqu'un qui jouait le rôle de mon fils Benjamin pour arriver à une posture plus juste du papa qui accepte de prendre l'autorité qui est la sienne. Parce que je suis ton papa et parce que je souhaite protéger ta santé, du coup, je veux que tu mettes un pull. Et je ne suis plus dans la demande, je suis dans une exigence de pleine conscience qui vise à protéger ta santé. Et voilà. Et du coup, je rêve de dojo où tout le monde pourrait venir se former, les enfants, les parents, les grands-parents, ensemble ou en petits groupes. On se formerait à la communication non violente pour ne pas se faire du mal, pour pouvoir tester en petits groupes avant de pouvoir revenir dans la vraie vie. C'est vraiment important parce que c'est vrai que c'est plus facile avec des gens plus neutres. Ouais, moi, je fais partie d'un café d'empathie et c'est vrai qu'on prend soit des situations existantes propres et qu'on partage, soit c'est des sujets proposés et on fait entre nous. Et c'est vrai que même en plus avec des personnes neutres, on peut déjà ressentir des choses, certaines émotions qui viennent. Et c'est super intéressant de se voir formuler par les autres nos besoins éventuellement à ce moment-là. Parce que c'est pas toujours évident pour nous-mêmes, mais c'est parfois, je trouve, plus facile à identifier chez les autres, tu vois, les besoins de faire des propositions. Donc, ouais, c'est intéressant. Je trouve que ces dojos de CNV sont des endroits de grande clarification de ce qui se passe en soi. Et parce que je fais, c'est de la gymnastique en réalité. Plus tu le fais souvent,
plus tu t'habitues, tu t'habitues à accepter tes propres émotions qui te traversent, voire même tes propres pensées chacales qui sont pas toujours très sympas à dire, voire très avouables. Moi, j'aime beaucoup ce moment magique où le chacal se lâche et balance littéralement tout ce qui lui traverse l'esprit. Et en réalité, on s'aperçoit que tous et toutes, nous sommes traversés par ces pensées. Elles sont naturelles et normales. Si on les réfrène, elles prennent plus de place. Et donc, dans ce dojo, on apprend à les accueillir pour faire de la place, pour pouvoir ensuite accueillir nos sentiments, nos besoins, faire la clarté et pouvoir les trouver, les nommer. Et tout ce travail de recherche intérieure, aidé par les autres, permet qu'à la sortie, on le trouve suffisamment rapidement, on l'accueille suffisamment rapidement pour pouvoir s'apaiser et en parler à l'extérieur finalement. Jusqu'à être tellement bien entraîné qu'on pourrait le dire à nos parents ou à nos enfants ou à nos conjoints, qui sont des... Comme il y a beaucoup d'affects, c'est compliqué. Plus il y a d'affect, plus c'est compliqué, je suis d'accord. Je crois que tu voulais nous partager une image de Lady Tigrebouille. Ah ouais, moi j'adore le travail d'une personne qui s'appelle Letty Gribouille. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle elle dessine la CNV. Elle met en image les notions très immatérielles des fois de la communication non violente. Et je trouve ça formidable pour toucher au cœur. Les hommes et les femmes, je trouve ça habile de passer par l'illustration graphique. Donc elle dessine ce petit chacal qui d'un côté dit des choses, je vais t'apprendre à me respecter, tu vas voir comment, de quel bois je me chauffe. Et en réalité, ce chacal, il dit ça parce que ce qu'il ne sait pas dire encore, c'est je voudrais tellement être pris en considération qu'on comprenne ce que je vis. Tous les parents d'ados le savent bien. Votre ado arrive en claquant la porte et en hurlant très fort. Votre ado ne vous dit pas très spontanément, Papa, maman, j'ai besoin de soutien. Je me sens pas bien parce qu'à l'école aujourd'hui, on s'est moqué de moi. C'est pas ce qu'il va faire. Il va arriver en hurlant parce que ses profs sont méchants ou parce qu'il a trop de devoirs et il va claquer la porte. Mais c'est pas en réalité ce qu'il vit. Et la violence, c'est une stratégie tragique. Marshall Rosenberg disait que c'est la violence, c'est l'expression tragique d'un besoin qui n'est pas comblé. Et donc, entre ce que nous disons ou montrons et ce que nous vivons à l'intérieur, il y a une grande différence. Et le dojo de la communication non violente peut éventuellement permettre d'aller réaligner tout ça, ce que je vis, ce que je dis, ce que je ressens. Et ce travail va permettre d'éteindre le feu sous la marmite d'abord, de faire la clarté sur ce qu'on ressent et de pouvoir l'exprimer clairement, et du coup, de faire une grande paix en soi parce que il y a moins de violence quand on sait reconnaître tout ça. D'accord. Je te remercie pour ce partage. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que les gens l'auront compris. Ce qui est important, c'est la pratique. Et les livres sont intéressants. Donc, le livre dont tu parlais tout à l'heure, c'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, et de Marshall Rosenberg. Il y avait aussi Cesser d'être gentil de Thomas Soyez Pynchon. vrai. Soyez vrai, oui, je vous le dis. Mais un livre informe, ça va être intéressant, mais je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Thomas dans son bord d'ailleurs. Seule une formation transforme. Donc voilà, c'est ça aussi qui est important. J'appuie à plein. Une transformation, c'est forcément quelque chose qui vient de l'intérieur. Et pour ça, il faut être accompagné. J'ai fait beaucoup de parachutes. C'est bien d'en parler. Mais c'est très différent le jour où tu mets le machin sur ton dos, que tu rentres dans l'avion, que tu marches sur le tarmac et que tu sens l'odeur de kérosène, le vent dans les cheveux, la chaleur, tout ça, tout ça. Eh bien, c'est pareil pour l'aïkido. Tu es accompagné par un professeur qui va guider tes pas et d'autres élèves qui ont pratiqué depuis plus longtemps et qui viennent à ton aide. Eh bien, pour la communication non violente, c'est pareil. Formez-vous. Allez vous former auprès de professeurs qui sont agréés par le CNVC. Ça permet de garantir la qualité du transmetteur. On sait qu'il intègre l'intégralité du processus et qu'il peut vous accompagner
dans toutes vos dimensions. Donc oui, lire un livre, c'est formidable, mais rien ne remplacera jamais de monter sur le tapis du dojo, de rentrer en formation pour se transformer. Ça a été le switch dans mon cas. J'avais lu un bouquin qui m'a mis sur la voie, mais le switch, c'est le jour où j'ai pris cette décision, je ne sais pas pourquoi, une intuition, d'aller me former. Et ce jour-là, ça a transformé ma vie. Écoute, je te remercie pour ton partage, pour toutes tes informations. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure ? Je reviendrai à cette phrase qui aujourd'hui guide ma vie. Est-ce que je préfère avoir raison ou être heureux ? Je te remercie, très belle phrase. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, Guillaume. Et je mettrai en lien en description toutes tes informations si quelqu'un souhaite te contacter. Donc, avec plaisir, c'était un vrai plaisir de ce moment d'échange, tous les deux. Voilà, et je suis ravi que nous puissions tous les deux avoir nos petits shakos et nos petites girafes. Voilà, voilà l'image, quoi. Voilà, exactement. C'est sérieux, la CNV, bravo. Et en même temps, ces outils pédagogiques permettent de créer une distance qui permet à certains et certaines d'accepter de ne pas toujours être gentil, mais ouais, d'être vrai. Exactement. Mais écoute, merci pour tous ces partages et à bientôt. À bientôt.